L'association Raméal Périvert à Saint-Martin-d'Excideuil, le 26 août 2009. Un site très agréable, légué par la mairie d'Excideuil, mais avec beaucoup de boulot. Musée de pierres sèches. Qui n'était pas là au départ. Fait par le président de l'association. Des légumes qui poussent tout seul. Un mur est remis en place. Les déchets qui ont été triés et enlevés de sous la terre. C'est un énorme travail fourni par l'association, par les membres du bureau. Pour nettoyer le site, le dépolluer, n'est-ce pas? Comme on peut constater, il y a de tout. De la ferraille, des bouteilles de verre, on les compte plus, c'est par milliers. Donc on en est là, encore des déchets à enlever. Et oui, les gens qui jettent dans la nature leurs déchets en polluant la faune et la flore, bien sûr. Des piles, n'est-ce pas? Donc cette partie de bois donc un tas de branches qui n'est pas encore broyé, malheureusement, parce que la mairie d'Excideuil ne suit pas la convention acceptée et signée à la création de l'association, devant nous prêter un broyeur avec un agent de la mairie, et ce n'est plus le cas. Donc l'association est obligée de se débrouiller par elle-même.
faut enlever ce tas de branches et étaler la terre sur ce talus pour pouvoir enfin à la rentrée proposer un terrain et semer, faire de magnifiques projets avec des écoles. Sur ce terrain aussi, il y avait notre lot de déchets en tout genre. Voilà notre magnifique tas de déchets. Notre partie boisée sur le terrain. Nous avons fini de nettoyer, débroussailler le BRF. Donc on va visiter ce magnifique bois nettoyé